Bon, du coup, voilà, nouvelle vidéo sur Ombre. Je vais vous présenter mes stuffs éclatés au sol. On va commencer avec le Zobal, par notre classe, avec voilà, quelques DMPA, PMPO, voilà, pour avoir une bonne, des bonnes stats. Pour lancer des sorts, mais voilà, pour pas trop pour tanker ou faire des dégâts. Le Crass, c'est la même chose. Et le panda, c'est quoi? C'est tank low cost, mais en vrai, je vais pas trop tanker dans ce combat, donc c'est pas très important. Et le roux qui a un stuff dégâts, voilà, parce que j'aimerais quand même pas faire un donjon faire dégâts sans avoir des dégâts, ça serait pas fou, donc on veut taper un minimum. Le roux, en gros, c'est le seul damage dealer de ma compo et je peux me regarder. Normalement, ça devrait passer tranquillement, mais alors, j'aimerais pas me tromper quand même sur mes tours. Tu as changé la team? Non, non. Pour l'instant, j'ai qu'une seule team sur moi. Hein. Ok, le panda, on va mettre ici. Pour que le rollback m'embête pas. L'esprit. Déjà, le crâne, on va mettre ici. Le roublard, on va mettre ici pour décaler. Le Zobal, je vais en vendre avec torche. 3, 4, 5, 6, ça va. Par contre, les bugs d'Ini là, ils me font flipper. Hein. Pourquoi je voyais le groupe devant le panda? C'est quoi ça? Donc, c'était quoi? 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc, la case noire là, c'est bon. Ok, toi tu dégages. Et on va mettre un Wasta à mon avis. Est-ce que je vais mettre devant? Je pense que je vais mettre devant. Hein. Et je vais booster la Vita. Ok, le boss peut venir là. Ça fait 1, 2, 3. Donc je peux. Après, vas-y. J'ai peur, donc par sécurité, je vais mettre des bombes un peu plus loin quand même. Ok, toi tu dégages. En vrai, son placement est pas si ouf, mais ça va. Alors, déjà, je vais améliorer le placement du panda. Est-ce que je vais mettre des boucliers? Non, on n'a pas prévu de tanker. Et bah, je pense que j'en ai fait le boost. Hein. Déjà, on va boost PA le panda, pourquoi pas. On va boost ça. On va mettre les PM. Et on va booster la puissance. Ok. Toi, tu vas dégager du coup. Putain, c'est pas comment se dégager hein, ce mob. C'est chiant. Alors, le crâne, on va booster. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, déjà, je peux pas déplacer parce que le crâne. Ouais, le crâne, il pourrait cibler le crâne. On va juste passe-tour, hein, mon ami. Juste passe-tour. Qu'est-ce que je fais avec le panda, mis à part... En vrai, Bambuseray aurait été un bon sort. Vas-y, je vais mettre un tonneau. Parce que ça va virer le bonus PM du crâne, c'est pas mal. Ok. Par contre, les torches pourra me choper, je pense. Hein. Je vais voir ce que je peux faire avec le Zobal. Déjà, faut des locks. Hein. Déjà, faut des locks.
Ah, mais j'ai oublié le plombage, hein. Là, c'est trop tard. On va jouer sans plombage, du coup. C'est moins rentable que de faire ça. Ah, ok. Il n'y a pas trop de risques, du coup. C'est pas forcément le mieux que je pourrais faire, mais ça va. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, il va prendre d'une case près. Donc on va la tirer. On va pas faire un autre truc dans cet état-là, à mon avis. Mais on veut que l'Hector se recule, hein, donc. C'est quoi ça? Mais putain, mais dégage-toi aussi. Là, encore une fois, je suis pas déplacé. Ouais, l'initiative et toute la strat. Bon, ça pourrait être mieux, mais ça devrait aller. J'aimerais mettre la balise. Les mobs pop pas encore. La balise va servir à quoi? Pour le crâne, c'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça, en fait. Mais j'ai besoin de me tirer éloigné pour que ça me sert à quelque chose. Et je vais replacer le panda ou pas? En vrai, non, parce qu'à chaque fois le lecteur, je pourrais me choper. Si je me replace, c'est pas ouf. Ok, là j'ai quelques PM, j'ai pas encore envie de gâcher le panda Q. Combien de PM il a? 7 PM. 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est parfait, non? Presque parfait. Est-ce que je fais autre chose? J'aimerais pousser les torches, mais je peux pas, donc c'est normal. Ok. Bah, le rouge, j'ai de la boîte et tout, mais on a besoin de rien faire. Hein. On a besoin de rien faire. Encore une fois, les torches. Hein. En vrai, au pire, je vais laisser se rapprocher. J'ai l'impression qu'il va pas améliorer son tour. Ou bien je vais essayer avec l'arachne. L'arachne qui va peut-être changer son tour. Hein. Vas-y. Bah, c'est vraiment sa case préférée. Hein. Vas-y, c'est pas dramatique, mais c'est drôle. C'est quel mob qui joue premier? C'est les torches. Après, je pense que peu importe où je place la balise, hein, c'est pareil. Les torches vont pas s'avancer, quoi. Ok, on passe son tour. Là, c'est le dernier qui joue avec des PM. Comment tu vas, ça va? Merci. Est-ce que je brain le crâne? Bon, déjà, je fais pas me cascade hein, parce que la focus, et ils ont modifié le sort. Juste ralentir en termes de PM et c'est bon. Hein. N'importe quoi déjà avec mes trucs. Ok, l'ambulante, j'ai utilisé.
Mais à mon avis, niveau combo, je serai large, donc. Pas trop se faire des soucis là-dessus, hein. J'ai pas encore placé ma bombe. Ok, là j'ai plus d'invoque hein, pour cet Ectorch. Un coup de chaffeur, mais bon, flemme un peu chaffeur, on va pas se mentir. Au pire, c'est pas grave. Hein. En vrai, est-ce que je vais diffraction juste par sécurité? Ouais. Ok, lui il fait rien. Et j'ai encore mis Tumbalis pour les torches. Sur Ophi, j'ai pas de try, mais je connais très bien le donjon, donc ça aide. Bah, le panda. C'est vrai que le panda aura un peu du mal, peut-être, à placer les torches et Elisa, quoique. Mais déjà, de toute façon, je peux rien déplacer, hein, ça change pas. Donc vas-y. Allez, j'ai jamais utilisé Panda Q du combat parce que j'avais la flemme, donc on tourne le fer. Genre un jour, faudrait que ça serve quand même. En fait, là, j'ai juste un peu du mal avec les torches, mais bon, je peux passer vers ce côté-là. J'aurais dû mettre un bombou peut-être au lieu du tonneau. Ce serait un peu mieux. Vas-y, c'est pas grave. Ah bah c'est vrai qu'il peut pas avoir de tonneau comme ça. C'est vrai que il est bloqué. Bon, on zef. L'esprit ne fait rien. Lui, il est trop loin. Ça servira pour des torches, c'est parfait. On va mettre l'embu. On va juste mettre tout. Yonezo. J'ai envie de plastron, hein, juste si les trucs partent mal, mais. Même si j'ai pas trop besoin, quoi. En vrai, j'ai peur pour cette bombe. Hein. Je vais mettre la bombe plutôt que le cra. Même si. Même s'il n'y a aucune peur à avoir objectivement, hein, mais. On ne sait jamais, quoi. Voilà, déjà, si je mets une balise, ce serait pas ouf. Il y. Sera ici, tout va bien. Ouais. Le crâne, je vais éloigner comme d'hab et c'est plié, hein, à mon avis. Ah, par contre, elle a les PV de la diffraction un tour de plus. À mon avis, ça change absolument rien, mais. Ouais, j'aimerais compter pour la diffraction, mais faut pire aux F, hein. Bon, j'ai pas besoin de plombage. Et de toute façon, j'ai 10 fois les dégâts à mon avis. Donc bon. J'ai 10 fois les dégâts. Ouais, go passe tour. Hein. Ok, aise.
J'ai des trucs divins, c'est pas mal. J'ai deux fois des trucs divins.